Eh bien, là, Ico, là. Ah, raté. Allez, jeune permis, c'est toujours comme ça. Elle a calé, là. Et là, elle panique, elle stresse, elle fait, oh putain, il y a quelqu'un derrière, là. Ah, when I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money ain't a thing. Hello les bikies, comment ça va? À moi, ça va bien, ça va. Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez remarqué, qu'est-ce qui branle lui? Je suis en vacances. Et voilà, j'ai fini mes partiels. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On va voir les résultats d'ici 2 semaines, 3 semaines. Pouhou! Putain. Oh, ici, le vendredi, faut faire attention, quoi. C'est la folie, quoi. N'importe quoi. Alors, les mecs, est-ce que vous avez vu la nouvelle? Enfin. Oh là là, putain. Oh là là, quelle bande de cons quoi. Sérieux quoi. Vendredi, tout est permis. Ici, à Béziers, c'est vendredi, tout est permis. On va vite sortir de la ville parce que là, ça commence à me saouler. Alors, les amis, devinez quoi? J'ai mal à la gorge. Alors, pourquoi j'ai mal à la gorge? Ben, je sais pas. Parce que à première vue, j'ai pas le nez qui coule, j'ai rien. Mais je crois qu'en fait c'est depuis que j'ai mangé hier, j'ai mangé des crêpes. Et il y en a une qui était trop chaude et je crois que je l'ai mangée trop vite. Et je crois que ça m'a brûlé l'intérieur de la gorge. Donc voilà, donc on va attendre 2 jours. Et si ça va pas, j'irai chez le docteur pour voir quoi. Mais bon, c'est con parce que là ça me racle la gorge, ça me fait super mal. Et voilà quoi. Bah, après, si je suis malade, je suis malade. Salut l'ami. Alors, je voulais revenir aussi en parlant, en voyant un mec en t-shirt. Je voulais revenir sur un truc qui est assez marrant. Vous n'avez pas vu la dernière loi qui est passée sur le sujet des la protection. Donc bon, c'est bien, ils ont fait la protection, c'est cool. Mais ils ont oublié un détail. En fait, ils ont obligé le port des gants et la dorsale, plus le casque. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque là? Dans l'absolu, là, direct. Est-ce qu'ils n'ont pas oublié un truc essentiel quand même? Alors les mecs, ils mettent la dorsale, mais pas le blouson. Les mecs, ils sont comme ça quoi. Oh, on va mettre une petite dorsale, mais on s'en bat les couilles du blouson. Hein. Le blouson, c'est pas trop sécurisant, hein. C'est bien connu. Alors, va falloir m'expliquer. À quoi joue le gouvernement là? Parce que entre le gilet jaune, qui en soit une pas une trop mauvaise idée, mais disons que bon voilà, moi je suis pas pour l'obligation, parce que déjà qu'on est une moto, je sais pas, on prend pas de place sur la route, on peut se mettre facilement sur le bord le côté. Voilà quoi, on met les warnings, c'est bon quoi, ça suffit. Enfin voilà, déjà je suis pas chaud pour ça. Et puis aussi, je voulais revenir sur les équipements. Les mecs, ils ont pas compris encore que il y a quand même des 50. Mais j'ai passé par là, je sais pas ce que c'est ça. Il y a des 50 les mecs, il faut pas oublier qu'il y a des protections qui existent pour des 50. Alors ça me tue ça. Les mecs, c'est tout pour les 125, les gros cubes, mais jamais pour les 50. À croire que les 50 c'est des vélos. Mais ça roule quand même à 50 km/h et ça peut tuer quelqu'un. Voilà, donc bon. C'était mon petit ressenti. Ben voilà, après je suis content. J'ai acheté mon petit gilet jaune, en parlant de gilet jaune. Devinez combien ils me l'ont mis. Je l'ai acheté 24 € les mecs, 24 €. Alors je crois que je me suis fait bien enculer. Je suis allé à Neuroto. Les mecs, ils me disent, celui-là il est très bien. Ah bah oui, il est très bien. Le gilet, il y a des poches, il y a une doublure.
Genre limite, limite c'est un blouson quoi. Ça, ça me tue ça. Encore acheter des trucs pour rien quoi. Ah mais on est déjà passé par là, c'est là où il y a les putes. C'est le week-end. Le week-end. Putain, franchement, c'est chiant ça d'avoir mal à la gorge, d'être handicapé de la gorge. Je voulais aussi, ben regardez, on est 4000. 4000 les amis, vous pensez ça à ça que il n'y a même pas 4 mois, j'étais à 1000, à 1000 abonnés. Et il n'y a même pas, depuis octobre, j'étais à zéro. Jamais j'aurais pensé monter aussi vite. Alors déjà, aller atteindre les 2000, c'était beau. On va se calmer. Il y a quoi là? Pompiers. Eh, vous voyez là, le SAMU. Alors, la dernière fois, genre je roule bien, tu vois, je roule un peu comme il faut. Et au moment au loin, je vois des putains de gyros. Je fais « Oh putain, c'est pour moi !» Genre, regarde, il se rapproche, je désaccélère, je regarde, je désaccélère. Il se rapproche, il met le clignot. Tu sais, il met le clignot vers la droite. Je fais « Oh putain !» Il me demande de me rabattre ou quoi. Et clignot, truc. Je commence à me rabattre et je vois au loin que c'était blanc. Mais j'avais pas compris en fait que c'était le SAMU. Et en fait, le SAMU m'est passé devant, mais j'ai eu la peur de ma vie, les mecs. J'ai cru que je croyais que c'était les States quoi. Alors ça, c'était vraiment épique. Voilà, et donc pour en venir, ben voilà, j'ai mal à la gorge. Je vais m'acheter un petit sirop. Peut-être, ouais. Je vais m'acheter un petit sirop. Ah, j'ai failli, heureusement que j'ai pas doublé avant. Hein. Coquin va. T'as vu où il se met? T'as vu où il est? Il est sur un truc où t'accélères quoi. T'as pas un truc fourbe là? Ça c'est, y a pas plus fourbe que ça quoi, sérieux. Vous avez vu où il était? Caché dans les canisses et en plein milieu d'une voie d'accélération quoi. Enfin d'un truc de doublement. Ah je te jure, ils sont fourbes. Et ben voilà, bon 4000. Oh là, qu'est-ce qu'elle branle en plein milieu là? Qu'est-ce qui branlait? Et ouais, 4000 abonnés, ça fait quoi ça? Ça fait, franchement, ça fait beaucoup. Beaucoup. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter là. Je suis actuellement, je me prends à peu près 80 abonnés par jour. C'est juste magique. J'hallucine à chaque fois que je vois les chiffres. Et ça, c'est grâce à vous. Et franchement, bravo. S'il y en a qui partagent, s'il y en a qui parlent de moi, ben franchement... Merci de faire vivre ma chaîne et voilà. J'ai lancé un petit truc. C'est vous allez me faire votre Bike is Family. Comme ça, face à une caméra, vous allez me l'envoyer. Et comme ça, chaque lundi, vous serez dans la vidéo. Donc si vous avez une chaîne YouTube, mettez-la moi comme ça, enfin mettez-la moi, vous me la donnez. Comme ça, je vous mettrai dans la description. Et puis comme ça, ben, ça vous fera un petit peu de pub et ça pourra être sympa pour moi et pour vous. Et ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, c'est pareil, vous le faites et c'est cool quoi. Donc ouais, pour en finir sur les Bike is Family, je vais vous mettre les conditions dans la description. Et dans chaque description, maintenant dans chaque vidéo, vous aurez la condition. Donc ne tardez pas à me les envoyer parce que chaque lundi, ça fait long au bout d'un moment. Et c'est-à-dire que déjà là, la file d'attente sera jusqu'au 23 juillet. Donc voilà quoi. Voilà. C'est du lourd. Putain les amis. Valros. Alors là, Valros, il y a un skate park. Je vais essayer de vous y amener. Avant, je faisais du roller ici sur un putain de skate park, mais franchement, il est énorme.
si mes souvenirs sont bons. Alors c'est là, j'allais à pied comme ça. On descendait. Alors là, ouais, d'accord, ok. Ouais, on passait là. On passait là. Là et là. Ça va quand même plus vite en moto que qu'en roller. Hein. What the fuck? C'est quoi ce stop mal foutu là? Vous avez vu ça? Je l'ai pas vu moi. Genre il y a un dodan et un stop quoi. Ouais, on pouvait passer par là, on peut passer par là. C'est où? Et par là, et voilà, et on est arrivé. Et c'est ça, voilà. Donc, si vous faites du skate, du roller ou du quoi et vous êtes du coin, vous devez connaître. C'est magique. Et moi, je vais passer par là, je sais pas où je vais. Mais j'ai le temps, j'ai du temps devant moi. Et il y a un terrain de cross à côté aussi. Qu'on peut accéder par là. Petit terrain de cross, pas mal. Mais je sais pas comment on peut se... Pour en venir à l'histoire des crêpes là. Je sais pas comment on peut se brûler avec un aliment dans la gorge quoi. Je sais pas comment la gorge est faite. Peut-être qu'il y a une espèce de réfrigérateur dedans ou je sais pas quoi. Mais je comprends pas pourquoi j'ai mangé un truc et direct j'ai eu mal à la gorge. Alors peut-être, non j'ai pas une réaction allergique aux crêpes, j'en mange tellement. Mais je pense que ça peut venir ouais du chaud. Ou avec du Nutella, ça a dû peut-être m'irriter la gorge avec les noisettes. Peut-être qu'il y avait un bout de pomme de pin ou je sais pas quoi dedans. Faut voir, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est très très bizarre. Alors je pense que j'irai chez le médecin si ça s'améliore pas. Parce que bon, ça me. Quand je parle en fait, c'est comme si il y avait un petit nain qui était dans ma gorge et qui me grattait comme ça là. C'est un peu désagréable. Tu sais, comme si t'as toujours soif en fait. T'as beau boire, mais t'as toujours soif. C'est un peu la sensation que ça me fait là. J'avais regardé, c'était peut-être parce que je parlais trop, mais quand j'ai mangé les crêpes, non, je parlais pas. Après j'en ai mangé 4, alors peut-être que mon palais s'est usé avec le chaud, peut-être, je sais pas. Mais bon, attends, ils étaient bonnes. What the fuck. Et je tiens quand même à remercier madame pour ses bonnes crêpes. Et si vous faites des crêpes ou que votre mère fait des crêpes et que vous avez des bonnes recettes inédites ou des bons mélanges que je peux faire avec, dites-les moi dans les commentaires. J'aimerais bien essayer de goûter vos recettes si vous avez peut-être des ingrédients rajoutés qu'on connaît pas, des trucs. Bon, ne mettez pas des conneries parce que si je vois faut rajouter une frite ou des trucs comme ça, non. Alors les Belges, abstenez-vous. Hein. On prend pas une frite une fois, ok? Bon, allez les amis. Sur ce petit vlog, retour. Je vais déjà encore vous remercier pour les 4000 abonnés. Merci encore, ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à vendredi, 6h30. N'oubliez pas, maintenant, c'est les nouvelles horaires. Le lundi, 6h30. Le vendredi, 6h30. Voilà, donc, les mamies, les amis, je vous dis à vendredi. Et je laisse la première personne à dire la phrase type. Donc moi les amis, je vous dis à bientôt et à vendredi et je laisse la parole
à mon ami. Ciao les mecs. Allez les gars, Bakish Families, Aou, Aou.